Donc, sur la télécommande, vous avez ici la commande de gaz et ça pour tourner, pour faire tourner votre hélicoptère. Et ensuite, donc vous avez ces deux boutons là. Donc attendez. Donc, alors ces deux boutons là, ça permet de compenser en fait. Parce que votre hélicoptère, théoriquement, quand vous le faites décoller, il ne doit pas vriller, il ne doit pas tourner vers la gauche ou vers la droite. Et donc du coup, s'il tourne par exemple vers la gauche, vous compensez à droite jusqu'à ce qu'il soit en surplace. Et si c'est l'inverse, vous compensez à gauche. Voilà, donc maintenant on va le faire décoller. Pour le faire décoller correctement, vous faites directement la manette de gaz comme ça.